Bonsoir tout le monde, bienvenue à Cogiton avec Stéphane. Ce soir, je vous présente la partie 2 avec Jean-Jacques Nantel sur les extraterrestres et si c'était vrai. Alors, Monsieur Nantel, vous nous parlez de quoi ce soir? Bien, ce soir, je veux vous parler de l'idée de contacter les extraterrestres, pourquoi le faire et quelles en seront les conséquences. Écoutez, ce que j'ai montré l'autre jour, c'est que tous les astrophysiciens croient que la vie existe ailleurs dans l'univers, c'est pour ça qu'ils recherchent activement, qu'ils font des symposiums là-dessus, etc. Maintenant, on ne les a pas trouvés. Alors, bien sûr qu'il faut les trouver en science, il faut finir par le prouver. Mais l'idée que la vie existe dans à l'extérieur de la Terre, c'est la notion, c'est l'idée la plus raisonnable par rapport à dire que ça n'existe pas ailleurs. Alors, essentiellement, quelle est la raison pour laquelle les extraterrestres vont être obligés de nous contacter ou que nous, on va être obligés de les contacter? Bien, la raison est très simple, c'est que qu'ils le veulent ou non, on y va. L'être humain, la civilisation occidentale surtout, mais les autres sont en train de suivre, on y va dans l'espace, on s'en va, on va quitter, ça va prendre du temps. Vous savez, l'être humain vit 100 ans, mais ma famille existe depuis 4 milliards d'années. On a tout le temps devant nous pour conquérir l'univers. Alors, ils n'ont pas le choix, les extraterrestres. Ils vont être obligés de nous contacter, ou au moins, s'ils veulent nous empêcher de passer, ils vont être obligés de dire quelque chose. Alors, il va falloir parce qu'on y va. Qu'est-ce qu'on sait de la vie? La vie nous donne quand même des indications sur la façon dont ça fonctionne. La Terre, elle fait partie de l'univers. La vie sur Terre, ça fait partie de l'univers. C'est des phénomènes chimiques, etc. La vie, elle se répand. Elle va partout. C'est extrêmement infectieux. Alors, l'expansion radiale de la vie à travers l'univers est inévitable. Il suffit de développer des systèmes qui vont nous permettre d'y vivre dans un confort complet. Ce n'est pas la Terre qui est confortable pour les êtres humains. C'est les êtres humains qui se sont adaptés à la Terre. À l'intérieur de votre corps, là, votre sang a à peu près la composition de l'eau de mer. On est des animaux marins au départ. La vie est née dans les mers, dans l'eau. Et on a développé une peau. Et autrement dit, on s'est arrangé pour pouvoir vivre dans une atmosphère complètement sèche, puis d'être très confortable puis très heureux. Alors, ce n'est pas la planète Terre que Dieu a fait pour accueillir l'homme. C'est l'homme et ses ancêtres qui se sont petit à petit adaptés au milieu, un milieu qui n'arrêtait pas de changer en passant. L'expansion radiale de la vie dont je parle, elle s'est produite très souvent dans l'histoire de l'humanité. Et là, on sait très bien comment ça se fait. Vous avez les Boers sud-africains qui ont quitté la région du Cap, qui se sont enfoncés sans demander leur reste à personne à l'intérieur de l'Afrique. Abraham, ces Juifs qui sont partis d'un pays riche, sont partis du pays où il y a plein de pétrole pour aller dans un pays où il n'y en a pas, Israël. Joseph Smith, qui a quitté Nauvoo, qui était en Illinois, je crois, puis qui a émigré son suivant, là, qui l'a fait, mais ils ont émigré en Utah, etc. Fait qu'on sait très bien, les Européens qui ont été partout dans le monde, les êtres humains, quand ils sont surpeuplés à un endroit, ils s'éparpillent, puis ça, c'est la vie qui fait ça. L'être humain ne fait que suivre les lois vitaux. Les êtres humains sont les premiers terriens de taille importante, à notre connaissance, mais c'est à peu près certain, qui peuvent faire une colonisation spatiale. Qu'il y a eu une colonisation de bactéries à partir de la Terre, c'est possible avec les volcans, par exemple, qui auraient expulsé des pierres qui seraient tombées sur Mars. On a trouvé des pierres martiennes sur Terre, la même composition que sur Mars. Alors, c'est possible dans le sens inverse. Pour des animaux importants, faire une colonisation massive avec des animaux de grosse taille, vous savez que vous avez au minimum 35 000 milliards de cellules dans votre corps, peut-être 100 000 milliards de cellules. Alors, on est des gros, gros animaux. Alors, la colonisation humaine va être très lente, évidemment, mais on a le temps et la ressource qui nous manquent le moins, surtout si l'univers ne disparaît pas dans un big crunch. Au niveau de la vie, tout ce qui est vivant sur Terre, par exemple les fourmis, on ne les a pas amenées en Amérique, les fourmis. Elles ont trouvé moyen en marchant 1,5 mm à la fois à faire le tour de la Terre. Elles sont partout. Elles se sont divisées en de multiples espèces. Alors, c'est la même chose qui va arriver avec l'être humain. Les êtres humains vont s'éparpiller dans l'espace, puis en s'adaptant à toutes sortes de milieux,
vont très rapidement se diviser en milliards d'espèces. Ça, c'est les lois de l'évolution. On le voit partout, les plantes, c'est tout le temps comme ça. C'est comme ça que la vie se répand. La chose intéressante sur Terre, là, je parle du point de vue des extraterrestres cette fois-ci, la chose intéressante dans le système solaire, c'est la Terre. Teilhard de Chardin disait quelque chose d'intéressant. Il dit, si les extraterrestres, il parlait de ça dans les années 40-50, lui aussi était au courant qu'il y avait de la vie ailleurs dans le monde, dans l'univers. Il dit, si les extraterrestres viennent sur Terre, il dit, ce qui va les intéresser, ce ne sera pas le bleu des océans ou le vert des forêts ou le brun des déserts. Il dit, c'est le fait que la Terre va être toute phosphorescente de pensée, de conscience. Ça, c'est vrai. C'est parce que ce qui est intéressant sur la Terre présentement, c'est ce qui se passe au niveau de l'être humain. Évidemment, on est en train de détruire la planète, mais ça, on va finir par s'adapter, là. Un problème d'adaptation, encore une fois. Mais c'est très intéressant de savoir que cette idée que ce qui va intéresser les extraterrestres, c'est qu'il y a de la conscience. Là. Puis c'est des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'ils ont découvert, les êtres humains? Puis nous, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont découvert, les extraterrestres. Est-ce que c'est faux, la science? Est-ce que c'est pas vrai, ça, que 2 plus 2, c'est égal à 4? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? On sait bien qu'ils ont découvert les mêmes choses que nous, mais ça va être des points extrêmement convaincant dans le domaine philosophique. On va avoir un développement de pensée et de science qui va être complètement indépendant de nous, qui va donner les mêmes résultats. Là, on vient de faire plus tout ce qu'ils vont savoir en plus. Alors ça, là, avec ça va nous permettre de vérifier toutes sortes de choses qui vont être extrêmement intéressantes. Les êtres humains ont également des choses à apprendre aux extraterrestres. Moi, je donne souvent l'exemple du jeu d'échecs ou de la fermeture éclair. C'est très difficile de penser que quelqu'un a pu avoir cette idée-là ailleurs dans l'univers. Moi, d'ailleurs, je suis certain qu'ici même sur Terre, il y a souvent des inventions tout à fait évidentes auxquelles jamais personne n'a pensé. Puis quand quelqu'un va y penser, on va dire « Maudit, c'est bête, il est devenu millionnaire avec ça, n'importe qui aurait pu le penser. » Je suis sûr que ça existe, c'est qu'il faut simplement penser autrement, penser en dehors de la boîte, comme disent les Américains. Maintenant, quels sont les moyens de contacter les extraterrestres? D'abord, il y a quelque chose d'important, c'est que les extraterrestres ont probablement les mêmes sens que nous, mais possiblement d'autres. En passant, ce n'est pas vrai que les êtres humains ont seulement que 5 sens. Ça vient d'Aristote là, qui disait ça, là. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. On a beaucoup plus que 5 sens. Par exemple, on sait toujours le sens de l'équilibre. On sait toujours quand on se couche dans un lit, où est le trou. C'est seulement les personnes âgées ou les bébés qui peuvent tomber. Mais les adultes, là, on a le sens de où est notre corps dans l'espace, même quand on dort. On sait exactement où est notre corps dans l'espace. Si quelqu'un vous donne des coups avec un bâton, là, vous allez immédiatement mettre le plus possible vos pieds, vos mains, vous savez exactement où ils sont, c'est des sens. Vous avez le sens de la satiété. Vous lisez à l'intérieur de votre corps, là, j'ai plus faim. Bon, ça, c'est un sens. Vous avez l'intuition, vous avez l'horloge interne. Il y a une maison qui n'avait jamais porté de montre. Il disait, non, on n'a qu'à s'entraîner, on a une horloge dans la tête, puis on lui demandait l'heure, puis il savait à 5 minutes près. On a la sensation du chaud, du froid. Autrement dit, on a beaucoup plus de sens que ce que les gens pensent. Et les extraterrestres ont probablement la plupart de ces sens-là, parce que c'est les mêmes mondes physiques, le même univers, avec les mêmes lois de la gravité, l'électromagnétisme, la thermodynamique. Mais il est possible qu'il y en ait d'autres. Par exemple, nous autres, on sait qu'il y a des... Il y a des la science ne connaît pas tout. Hein. On sait qu'il y a des phénomènes qu'on comprend mal, comme par exemple, il y a un truc qui s'appelle les effets Curlian, qui fait que d'une certaine... Je ne me souviens plus comment qu'ils le captent, mais il y a de l'électricité qui sort de nos mains, de notre tête, puis vous pouvez les photographier. Puis un yogi, quand il se concentre, l'effet Curlian est différent de moi quand je pense, par exemple, à l'instant présent. Alors, ça, c'est il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas. On sait que l'hypnose fonctionne. Freud l'utilisait pour investiguer l'inconscient de ses malades, mais ce n'est pas de l'hypnose, là. Tu vois, t'es une souris, puis le gars fait la souris. Non, c'est quelqu'un qui se laisse faire. L'acupuncture fonctionne. Bon, moi, j'ai vu des opérations par des Chinois, ça fonctionne. Est-ce que c'est... le gars s'est auto-convaincu, puis il ne s'est pas rendu compte qu'il coupait sa peau avec un scalpel. Enfin, il y a des choses qu'on comprend mal, là. On ne sait pas tout.
Alors, les extraterrestres pourraient très bien avoir d'autres sens, comme la chauve-souris, le radar, ou le sonar, comme le dauphin. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les éléphants seraient capables de comprendre, de recevoir les infrasons qui passent par la Terre, qui permettraient de communiquer avec les autres groupes d'éléphants plus loin. Les baleines, ce serait également, je pense, par les infrasons, ils pourraient communiquer sur des milliers de kilomètres. Bon, enfin, c'est des choses qu'on commence à savoir. La science n'a pas fini de progresser. La foudre en boule, les physiciens ont entendu que c'était de la bullshit. Puis là, ben, avec les, ça se multiplie les déclarations dans ce sens-là. C'est comme les ovnis, commence à se dire peut-être, on verra. Et autrement dit, on ne sait pas tout. La raison pour laquelle je dis ça, les sens, c'est que les extraterrestres, quand on va les rencontrer, ce n'est pas sûr qu'ils vont comprendre ce qu'on fait, ce qu'on essaie de communiquer. De plus, ils n'auront pas le même niveau de conscience que nous. S'ils ont 1 milliard d'années d'avance sur nous, ça va être comme si on essayait, comme si des fourmis essayaient de parler avec nous, là. C'est-à-dire, on parle d'autres choses, là. On est à côté complètement. Alors, il faut bien comprendre ce phénomène-là. Par contre, ici même sur Terre, les êtres humains sont très intéressés par le langage des fourmis, des abeilles. On a découvert que les abeilles avaient un langage, pareil, ils trémoussent leur corps, puis ils donnent la direction pour aller chercher, là, c'est les abeilles butineuses qui ont trouvé ça, puis ils montrent où est situé le bouquet de fleurs où il faut aller chercher du pollen. Et il y a un langage. Les chimpanzés ont des langages. Il y a une chose qui est fantastique, vous irez voir ça sur Internet. C'est des gens, les chiens, sont capables de comprendre au moins 400 mots, en général, 400 mots. Ah ouais. Il y a des gars qui s'amusent, le chien est là, puis il prend le téléphone, puis il fait semblant de parler à sa sœur, puis il dit: Ah oui, il faut amener Fido chez le vétérinaire. C'est chez le vétérinaire, il faut y aller tout de suite. Bon, je vais amener Fido chez le vétérinaire. Puis on voit le chien qui regarde, puis il commence à grogner, parce qu'il a compris ce qui se passe. Il comprend le mot vétérinaire, puis il comprend que Fido, c'est lui, puis il comprend que c'est tout de suite. Puis il commence à grogner, puis il ne veut pas. Alors, les chiens comprennent, il y a des langages qui existent. Et nous, on est très intéressés par les langages des abeilles, le langage des baleines, et on n'arrive pas à communiquer avec eux. On communique en les flattant, etc. C'est d'ailleurs très surprenant ce qu'on arrive à faire. Il y a une fille a guéri des requins complètement sauvages, là. Je l'ai vu rentrer sa main dans la bouche du requin pour enlever un hameçon. Puis le requin l'a laissé faire, puis il est devenu son ami. C'est des choses étonnantes, mais parler avec des extraterrestres avec des sens différents, un niveau de conscience différent, on parle de quelque chose de très, très, très complexe. En passant, les fourmis, ils ont découvert quelque chose d'assez étonnant. Il y a certaines espèces de fourmis, quand elles sont au repos, elles se mettent on dirait qu'elles se mettent au garde-à-vous, elles s'alignent dans les corridors de la fourmilière, comme si elles écoutaient un discours. C'est très bizarre. Ce qu'on pense, c'est que c'est la reine qui envoie ses phéromones, là, puis qui donne des ordres, puis ils se reposent pendant qu'ils reçoivent les ordres, si on veut, mais en fait, c'est des choses qui sont vraiment troublantes. Alors, le problème de communiquer avec d'autres espèces est quelque chose d'assez complexe. Alors, on ne connaît pas tout sur la science, donc il y a des choses qui pourraient communiquer à travers nous présentement, puis on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a simplement pas les outils ou parce qu'on n'est pas capable de le comprendre. Une chose est sûre, c'est que les extraterrestres n'utilisent pas la vitesse de la lumière pour communiquer. C'est complètement fou. La plus proche étoile est à 4,3 années-lumière. Ça veut dire que bonjour, comment ça va? Merci de ton. Ça prend 8 ans,6. Ben non, évidemment qu'ils ne communiquent pas avec ça. S'ils ont trouvé moyen de communiquer à travers le monde, à travers l'espace, à travers l'univers, ils utilisent des technologies qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'ils passent, c'est un exemple, là, on ne sait même pas si ça existe, mais peut-être qu'ils passent par la 7e dimension. Peut-être qu'ils utilisent un trou de ver, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que quand on cherche des messages radio qui fonctionnent à la vitesse de la lumière, c'est bête. Moi, je trouve ça bête. Enfin, ils peuvent essayer, c'est tout ce qu'on a, c'est le niveau de notre technologie. Mais il est clair que la vitesse de la lumière étant limite dans l'univers, c'est un mauvais moyen de communiquer, puis ils gaspillent pas d'argent à développer ça, sauf peut-être dans un système solaire. On le fait ici, là, entre nos sondes et la Terre. Mais enfin, c'est des minutes entières à attendre la réponse. Bon. Par contre, le jour où on va découvrir une technologie qui est capable de passer par la 8e dimension hypothétique dont je parle,
Il y a la loi des, comment ça s'appelle ça, la théorie de, comment ça s'appelle dans le... En tout cas, il y a une théorie qui dit qu'il pourrait y avoir 11 dimensions dans notre monde. Il y en aurait 8 qui seraient... il y en aurait 7, c'est ça, 7 qui seraient ratatinées au niveau de l'atome. Autrement dit, ça passerait ailleurs. On parle d'autres dimensions, là. On en connaît juste 4, les autres. La hauteur, la largeur, la profondeur et le temps. Mais il y en aurait 7 autres. Puis ça, la raison pour laquelle ils disent que c'est pas sûr encore, c'est très, très hypothétique encore, mais c'est qu'ils ont besoin de 11 degrés de liberté pour faire fonctionner la théorie. C'est la théorie des cordes, la théorie des cordes, des supercordes. Bon, à ça, j'en ai parlé. Alors, c'est ça que je voulais dire. C'est quand on va découvrir le moyen qu'ils utilisent, par hasard, quelqu'un va découvrir une machine, puis il passe par la 8e dimension, bien là, vous allez avoir 100 000 messages dans 100 000 langues différentes qui vont s'entrecroiser, les ondes vont se mettre à chanter, ça va être, là, vous allez avoir besoin de 100 000, 100 millions de champollions pour essayer de décrypter ce qu'ils disent. Mais on va savoir qu'ils communiquent. Mais évidemment que les gars, quand ils communiquent, c'est « Comment va ta mère? J'ai besoin d'uranium. Combien tu me vends telle chose? » C'est ça dont ils vont parler. Mais avant que quelqu'un réussisse à communiquer avec eux, bien, ça va être des problèmes comme Champollion a eu. Champollion, il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes parce qu'il est tombé sur une pierre où il y avait 3 langues différentes, dont 2 qu'il connaissait. Le grec démotique, le grec, attendez, le grec démotique, en tout cas, il y avait il y en avait un troisième. Le démotique, les hiéroglyphes, il y en avait un troisième. Puis comme ça, il a réussi à déchiffrer, puis ça a été long. Après, bien, ils ont tous, aujourd'hui, ils sont capables de lire complètement. C'est complètement, c'est pas équivoque, là. Ce qu'ils écrivent, c'est ça qu'ils voulaient dire. On a toute l'histoire. On a fait la même chose avec le Hittite. On a fait la même chose avec le Maya. Les Mayas, au Yucatan, ils voyaient les archéologues qui étaient penchés sur les dessins qu'il y avait sur les vieilles pyramides. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, ils disent, on est en train de lire, là. Il y a un roi qui a fait ci et ça. Ils disent, comment tu lis ça? C'est juste des dessins. Non, non. Là, les Mayas, ils ont découvert que les Occidentaux qui venaient de France, des États-Unis puis d'Angleterre étaient capables de lire. Fait que là, c'est depuis une vingtaine d'années, là, les Mayas s'intéressent. C'est leur passé qui est là, qui est écrit sur la pierre. Eux autres, ils pensaient que c'était juste des dessins. Bon. Alors, ça va prendre des gens extrêmement brillants, des gros ordinateurs pour arriver à les démêler. Mais dès qu'on en démêle une, on va avoir accès à 100 000 civilisations. Puis là, ben là, vous réalisez immédiatement le boom technologique, le choc culturel. C'est très grave là, ce qui va arriver à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas que ce qu'ils ont découvert. Peut-être qu'ils ont trouvé des moyens de se rendre au bout de l'univers en une seconde. Peut-être c'est devenu de purs esprits. Peut-être que les étoiles pensent. On ne sait pas. Quand on va découvrir des choses comme ça, ben, ça va partir dans toutes les directions. C'est ce que je veux dire. Bon. Maintenant, quels sont les dangers de contacter les extraterrestres? Ben, il faut savoir qu'on parle encore de la Terre, on parle de la Terre, puis comme ça fait partie de l'univers, on peut déduire beaucoup de choses. Les épidémies ont dominé l'histoire de l'humanité. Beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre, les guerres, les décisions d'Hitler de bombarder Londres, c'est des niaiseries. Une épidémie, l'épidémie de grippe espagnole en 1918, a tué autant de monde que la Première Guerre mondiale. Alors, les épidémies ont dominé l'histoire de la vie. Alors, le contact, le danger du contact, surtout si les extraterrestres sont faits avec de l'ADN, sont extrêmement graves. Ça veut également dire que si la panspermie est vraie, que beaucoup de maladies terrestres, pour les êtres humains comme pour les animaux, pourraient être venues de l'espace dans des poussières. Ça serait possible. Mais là, on voit immédiatement l'énorme problème que ça voudrait dire qu'on ferait déjà partie d'un ensemble immunologique extrêmement vaste, mais il faut le prouver encore une fois, il ne suffit pas de le dire. Ça pourrait être possible pour les virus, pour les bactéries, mais pour les virus, pas vraiment. Ils ne peuvent pas se cacher à l'intérieur d'un météorite ou quelque chose comme ça? Ben oui, ils pourraient toujours le faire, sauf qu'à la différence d'une bactérie, un virus a besoin d'une clé parfaitement adaptée pour pouvoir infecter une cellule pour s'y reproduire. Alors, ça serait un hasard incroyable qu'un virus venu des confins de l'univers puisse transporter la bonne clé pour le bon récepteur. Alors, sauf si ça se fait régulièrement depuis des milliards d'années. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous comprenez? Ben, c'est-à-dire que si on est en contact depuis des milliards d'années par des maladies qui arrivent de l'espace parce qu'on vit à la surface de la planète, on ferait partie d'un monde
bâti sur l'ADN, qui serait beaucoup plus grand que la planète Terre. Mais enfin, c'est des suppositions. La Oh, seule ok. chose, c'est que c'est des choses qui vont avec le fait de ce que j'ai dit au jour. On sait de façon presque certaine que de la vie ailleurs dans l'univers, c'est trop immense, trop infini, etc. Mais tout ça pour vous dire que les maladies, ça serait très grave, dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est la guerre des mondes de chez Wells. Les extraterrestres, ils attaquent la Terre, ils tuent tout le monde, Oui. commencent à tout détruire, puis là, ils meurent parce qu'ils attrapent une bactérie terrestre. Une Alors, le amibe. danger, les dangers de maladie, un gros individu comme nous, qui ont 35 000 milliards de cellules, se faire tuer par une bactérie, on préfère pas aller rencontrer les extraterrestres puis leur envoyer des messages radio ou des coups de téléphone. Alors, il faut savoir que sur la Terre, ça a pris, moi, j'ai jamais cru, là, mais ce que les records sédimentologiques nous disent, c'est que c'est des 3 premiers milliards d'années de la vie, c'était juste des unicellulaires. Moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé les fossiles, là, mais mettons 2 milliards. OK? Bon, 2 milliards, il y avait seulement, 2 milliards d'années, il y avait seulement des unicellulaires. Ce que je pense, moi, c'est que les multicellulaires ont probablement pu réussir à se développer après qu'ils aient développé un système immunitaire leur permettant de se défendre contre les autres bactéries. Moi, c'est ce que je pense, parce que c'est quelque chose d'un peu étrange. Ça a pris 3 milliards d'années. En fait, c'est plus que 3 milliards d'années qu'on sait là, pour l'instant. Fait que les maladies, les épidémies, c'est extrêmement important. Bon, ça, je l'ai parlé. Ailleurs, quelque chose d'autre. C'est que si les extraterrestres viennent sur la planète Terre, il y a d'autres choses qui sont dangereuses sur la Terre à part les bactéries puis les virus. D'abord, il y a les êtres humains qui sont parfois un peu capotés, qu'on pense aux talibans, par exemple. Mais il y a également des fauves. Il y a également il y a des poisons. Il y a des insectes qui sont dangereux, les requins, toute notre technologie, etc. Alors, puis les terriens qui ont tendance à être guerriers. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que si les hommes se font la guerre depuis des millions d'années, c'est parce qu'ils n'ont pas de prédateurs pour les tuer. C'est que dans la nature, c'est une pyramide. Puis vous avez celui qui est au sommet de la pyramide vivante, qui mange les herbivores, qui mange les... Bon, ça fait... D'habitude, il y a un maximum de 5 liens entre l'herbivore dominant et la base alimentaire qui sont les plantes. Alors, quand vous êtes rendu au bout, en haut, bien, les seuls qui peuvent vous tuer, c'est vos semblables, parce que vous êtes le plus fort. Alors, comme l'être humain, quand l'être humain est devenu le plus fort des êtres sur la Terre, bien, ils se sont regroupés parce qu'on est des animaux sociaux, ils se sont regroupés en gang, puis on a tué les autres pour leur voler du territoire, voler des ressources, etc. Mais ce n'est pas parce que l'être humain est méchant. C'est une autre erreur, parce que Darwin était un être humain, ce n'était pas un dieu révélé, là, un prophète inspiré. Darwin a cru que la loi de base était la compétition, la compétition entre les individus. Alors que ce n'est pas ça du tout qu'on observe dans la nature. Ce qui est le phénomène dominant dans la nature, c'est la coopération. On le voit dans une jungle. Dans une jungle, c'est 10, 15 000 espèces, toutes empilées les unes sur les autres. Vous ne pouvez même pas traverser, je l'ai fait. Vous ne pouvez pas traverser la jungle. Vous avez un mur devant vous. Vous allez faire, avec une machette, là, vous faites 500 mètres par jour. Vous n'avancez pas là-dedans. C'est des dizaines de milliers d'espèces de bactéries, de virus, qui sont toutes en... puis qui ne s'attaquent pas. Ceux qui s'attaquent, c'est le prédateur avec ses proies. Lui, il attaque ses proies. Puis les proies, c'est de se sauver. Mais tout le reste, que ce soit quand vous avez des gnous, des zèbres, des girafes qui sont à un point d'eau en Afrique, ils ne s'entretuent pas, ils boivent l'eau. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que les autres animaux se servent de la girafe pour savoir qu'il y a un lion qui approche. Alors, c'est la coopération qui est dominante dans le monde vivant pour la raison très simple, c'est que l'énergie, elle est rare, elle se disperse dans notre univers. Puis il faut toujours l'économiser. On coopère. Alors, dans une société humaine, on singe un écosystème naturel. Tout le monde a des proies qui n'en se tue pas. Fait que c'est un système d'exploitation avec le gars au top là, qui s'appelle Bill Gates, qui vole tout le monde, mais avec résultat que personne ne meurt. Mais c'est singer le système de la jungle où il n'y a presque pas d'agression. Ça prend beaucoup de temps, un photographe, pour trouver. Je sais, je l'ai fait. Vous allez dans le... Voyons.
Masai Mara, là, au Kenya, Ouais. ça vous prend du temps avant de trouver un lion qui est en train de manger un gnou. Parce que c'est difficile, c'est rare, c'est difficile de, parce que les animaux coopèrent plutôt que s'entretuer. Alors, les êtres humains sont dangereux, oui, mais c'est le même raisonnement pour les extraterrestres. La meilleure façon de générer le plus d'énergie possible pour que la vie se multiplie au maximum, c'est de coopérer. Alors, c'est pour ça que les extraterrestres sont vraiment pas, sont probablement pas tous méchants. C'est sûr qu'il y a des prédateurs, c'est sûr qu'il y a des voleurs, c'est sûr. Mais ils ont des systèmes pour les contrôler, comme nous, dans nos sociétés, on en a. Montréal a 70 meurtres par année, 3 millions d'habitants, eh, bravo, hein? Bon. Alors, si les extraterrestres étaient vraiment méchants, ça ferait très longtemps qu'ils seraient ici, qu'ils nous auraient massacrés. Hein, se débarrasser de nous, surtout qu'on se prépare à aller envahir toute leur planète et leur système solaire. Alors, ça ferait longtemps qu'ils nous auraient massacrés. Or, ils ne l'ont pas fait, donc c'est assez probable qu'ils sont pacifiques. Quant à ceux qui sont méchants, qui rentrent dans le système solaire sans permission, ben, c'est sûr que parfois, ils peuvent peut-être faire un petit arrêt McDo. Ils viennent chercher trois, quatre êtres humains pour les dévorer parce qu'ils ont faim. Mais je crois que c'est assez improbable à cause des distances à parcourir. Maintenant, ce que je viens de dire sur la coopération qui domine largement la prédation et l'agression dans le monde vivant, ça m'amène à parler des lois interstellaires. Encore une fois, on se base sur la façon dont fonctionne la vie sur Terre, notamment les êtres humains. Alors, c'est comme ce qui se passe avec les êtres humains ou avec les extraterrestres, c'est comme des voyageurs qui se rencontrent dans le désert, qui ont un danger commun, puis qui se mettent à coopérer pour essayer de trouver de l'eau, essayer, etc. Alors, c'est ce qui est naturel. Et les lois sidérales, parce qu'il y a sûrement des lois, sinon on verrait des explosions partout. On voit des explosions, hein, les supernovas, etc., mais on les a expliquées de façon rationnelle, sans venir à expliquer avec des extraterrestres. Et des trous noirs qui gobent des galaxies, des trucs comme ça, on le sait, ça. Mais on n'a jamais trouvé d'explosion qui n'était pas explicable par des lois physiques. Bon. Alors, il doit donc y avoir des lois sidérales, s'il y a des extraterrestres, bien sûr, ce qui est une presque certitude. Alors, ces lois sidérales-là doivent être basées sur la coopération. Et ils ont forcément une moralité. Vous savez qu'il y a deux types de moralité, hein, sur Terre. Il y a la moralité du prédateur par rapport à ses proies, ça c'est tue tout ce que tu peux, puis mange-les parce que t'as faim. Puis il y a la moralité du prédateur pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, où là, c'est beaucoup plus spécifique. Il y a des ententes. Attaque-moi pas, je t'attaquerai pas. On voit ça, les écureuils au parc La Fontaine, ils font ça. Ils ont leur territoire, ils montrent les dents, puis l'autre comprend. Bon, ils choisissent chacun une frontière, puis ils la respectent. Ça, c'est de la coopération dans l'agression, mais en évitant les blessures, parce que les blessures, ça vous amène à la mort, là. Vous allez vous faire manger par un autre qui est plus fort que vous. Alors, c'est ça. Si la vie, comme tous les astrophysiciens le pensent, existe partout dans l'univers, il est inévitable qu'en 4 milliards d'années, quelqu'un ait passé par le système solaire. Ils ont vu les premiers poissons, ils ont vu les premières bactéries, ils ont vu les dinosaures, ou ils ont vu les débuts de l'être humain. Puis ils savent, c'est dans les almanachs sauf 100 millions d'années-lumière de rayon, dans tous les almanachs, c'est marqué sur la troisième planète de telle étoile, il y a de la vie. On a vu des bactéries, on a vu des poissons, ça dépend quelle date que la sonde ou l'extraterrestre a passé. Mais c'est clair que s'il y a des extraterrestres qui sont venus ici, ils ont mis ça sur l'Internet, comme on dirait, et tout le monde est au courant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Eh bien, c'est à cause de ce que je disais tantôt, c'est des règles morales comme celles qu'on a sur Terre entre les nations. Il n'y a presque pas de guerre sur Terre. Les gens ne réalisent pas ça. Ils pensent à l'IL. D'abord, en Afghanistan, il n'y a presque Mais pas eu là, de mort. vous dites, ils viennent pas, mais on ne sait pas s'ils viennent pas, hein. Moi, je pense qu'ils viennent, je pense qu'ils sont venus et possiblement qu'ils nous Ben, visitent. je vais vous dire pourquoi. C'est ça mon prochain point. C'est que si, parce qu'on ne voit pas de guerre dans l'espace, alors il y a forcément des lois sidérales. Et ce qui est évident dans notre univers, ce qui manque, c'est l'énergie. Notre univers est à peu près à 3 points quelque chose degrés Kelvin, à température moyenne. L'énergie est rare. Alors, il est très clair
que le soleil, c'est notre soleil à nous. C'est notre propriété à nous, les terriens. Toute la forme de vie sur la Terre. Et que le système solaire, qui dépend du soleil, ça nous appartient à nous. Puis c'est mon point, justement, c'est que dans Star Trek, il disait, une des premières directives, la première directive qu'il recevait de la Fédération galactique, c'est « Ne vous mêlez pas d'une civilisation qui ne vous l'a pas demandé. » Vous n'avez pas le droit de vous empêcher une guerre ou quoi que ce soit. Ça ne vous regarde pas, c'est leurs affaires. Puis il le faisait, à chaque fois, il le faisait quand même, mais ça, c'est l'émission de télévision. Mais la directive première, c'était pas le droit d'intervenir dans les affaires d'un peuple primitif qui ne vous l'a pas demandé. Puis c'est ça mon point, c'est qu'on ne les a jamais invités à rentrer. Moi, je serais curieux que l'ONU envoie un message facile à comprendre, pour, de toute façon, des gens aussi intelligents que ça, puis de leur dire, on aimerait que vous veniez, jamais personne qui a fait ça. Puis s'il y a une loi galactique, ben, ils vont dire, vous n'avez pas le droit de l'envahir. Comme on fait aujourd'hui avec les aborigènes d'Amazonie, il y a des lois en Amazonie. Ils n'avaient pas le droit d'aller embêter les anthropologues. Là. Ils n'avaient pas le droit d'y aller s'ils ne vous disent pas, ils ne vous donnent pas la permission pour étudier comment ça fonctionne, un peuple primitif, etc. Parce qu'il ne faut pas détruire. Alors, si les extraterrestres venaient ici aussi souvent, alors que c'est très loin, là, on parle de vitesse de la lumière, c'est la vitesse limite, alors ils auraient laissé toutes sortes de déchets, ils auraient laissé des pyramides, justement, ils auraient laissé toutes sortes de choses qu'on trouverait, des mécanismes qui sont évidemment d'origine extraterrestre, comme on voit dans les films de science-fiction. Ils nous auraient laissé des épidémies, peut-être qu'il y en a eu, ils auraient laissé l'équivalent des canettes de coke. Il y avait pas quelque chose, des déchets, toutes sortes de trucs, les soucoupes volantes qui sont écrasées. On aurait des preuves solides, puis ça arriverait souvent, parce qu'il y a tellement de vie dans l'univers. Enfin, la logique veut qu'il y ait beaucoup de vie. Alors, puis une autre affaire, c'est que si les extraterrestres sont vraiment en charge de l'histoire humaine, là, vous savez, un grand complot, là, puis ils dirigent l'histoire humaine pour pas qu'il y ait de bombes atomiques, etc., bien, ils ont raté cinq extinctions massives dans l'histoire de la vie. Puis là, ils sont en train d'en rater une sixième. Fait qu'ils font une belle bon job point, de ouais. cochon. Ouais, ils font une belle job de cochon. Fait que moi, ce que je pense, c'est que c'est ça. Si les extraterrestres voulaient vraiment avoir une action morale, utile, galactique pour diminuer la souffrance de l'univers, bien, ça serait le temps qu'ils interviennent. Parce qu'on est en train de tout détruire, puis il y a des milliards de personnes qui risquent d'en crever. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Autrement dit, on ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs, mais la probabilité, c'est assez lourd, là. Les chances qu'il y ait de la vie intelligente ailleurs dans l'univers, c'est assez lourd, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Bon, ben, voilà, c'était le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup, M. Nantel, pour cette brillante allocution. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'était vraiment intéressant. Un homme extrêmement cultivé. Et si vous avez des questions, les auditeurs, allez poser ça en commentaire. M. Nantel va toujours les lire puis il répond. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions ou si vous voulez juste soulever un point que vous avez entendu avec lequel vous êtes d'accord ou en désaccord, allez l'écrire en commentaire. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Si les gens veulent savoir mieux ce que j'ai écrit ou ce que j'ai fait, ça va être dans la description. Il va y avoir le lien pour procurer mon volume, mon livre, ou les vidéos qui sont complètement gratuites en passant. Sur YouTube. Si vous allez sur YouTube et vous tapez Jean-Jacques Nantel, vous allez tomber sur toute la série. Oui, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a plusieurs centaines. 143. Bon, ben là-dessus, bonne soirée tout le monde. Puis merci d'avoir été là. N'oubliez pas, petit pouce bleu, partagez ça. Puis à la prochaine. Salut!